Merci, merci, bonjour. Merci d'être venus aussi nombreux et aussi représentatifs. Les débats seront forcément riches. Je vais évidemment vous parler d'agroécologie, et comme ça vient d'être dit, on ne l'a certainement pas inventé, peut-être remis au goût du jour. Je vais surtout vous parler de génie paysan. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le génie paysan, et je trouve les paysans géniaux. Et donc, ça tombe bien, je vous propose une petite promenade. Je vous propose une petite promenade ici, un peu plus loin, et ailleurs. Ça fait pour nous 30 ans d'observation, 30 ans d'observation. Beaucoup de bon sens paysan, de la recherche, des essais, des erreurs, de cette présence de l'arbre, comme maillon des chaînes de production qui plus est en élevage, et peut-être une chance pour l'élevage parfois un petit peu et un petit peu trop décrié. Il est vrai que dans la réforme de la PAC, on attend tous une réforme profonde de la PAC pour qu'elle devienne une politique agricole du carbone. Et rien d'autre, puisque le carbone, c'est de la vie. Ben, si ça marche pas, tant pis, hein. Magnifique, merci beaucoup, formidable. On va y arriver. Donc j'ai emprunté ce dessin à Dominique Mention, j'ai aussi emprunté des photos à Geneviève Michon qui travaille au Maroc, et vous connaissez aussi l'importance du Maroc par rapport aux vaches, et pas que. Donc on est beaucoup allé au Maroc parce que les chocs climatiques sont plus durs, donc c'est toujours intéressant d'aller voir un peu plus loin, parce que nous on doit s'habituer, on doit continuer à produire, on doit gagner notre vie, et le triptyque de l'agroécologie, il y en a deux triptyques dans l'agroécologie. Le premier, c'est produire, protéger, prévenir. Produire et protéger. Et sortir du conflit, moi je protège et toi tu produis. La biodiversité, ça ne se protège pas. Ça se détruit ou ça se produit. Et les paysans sont de gros créateurs de biodiversité. Le deuxième triptyque de l'agroécologie qu'on utilise au quotidien, c'est la cohérence, être cohérent dans son milieu, dans son système, qu'on soit en haut de la montagne, qu'on soit dans la vallée ou qu'on soit sur le coteau, la cohérence, la fertilité. Et le troisième, un mot dont vous n'avez pas oublié le sens et l'origine, c'est l'autonomie, gagner en autonomie. Et les arbres, pour ça, sont assez géniaux parce qu'ils font tout avec rien. Alors le réflexe naturel de l'animal, c'est quand même ça. Hein ? Au bout de 10 minutes, vous mettez des animaux, quels qu'ils soient, dans une prairie, ils vont chercher des substances géniales, médicamenteuses, nutritives, qui leur font du bien, quitte à braver le barbelé. Donc ce réflexe absolu, nécessaire, vital, écosystémique, authentique, ben, il faut qu'on le traduise, qu'on le comprenne, qu'on le mette en perspective et qu'on le mette en œuvre, puisqu'on a effectivement deux solutions aujourd'hui. On a la solution de la technologie, du drone, du satellite, le génie chimique qu'on est en train d'un petit peu d'oublier, et puis on a le génie végétal et la coopération, les symbioses entre les plantes et entre les animaux, puisqu'ici, ce dessin a été fait par mon dessinateur préféré, qui est un de mes techniciens, sur une photo qui était un peu floue, que j'avais réussi à faire dans l'Aveyron. Vous voyez, la coopération entre les animaux pour attraper la bonne branche, la bonne feuille, le bon bourgeon, au bon moment, dans les bonnes conditions. Et l'agroécologie nous parle que ça. Que de ça, pardon, hein, de symbiose, de connexion, de proposition et non pas de sanction. Puisque vous parlez de la politique agricole commune, en France, vous voyez où c'est ? À peu près ? Hein ? En France, il y a 4600 mesures agro-environnementales. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait une qui fonctionne. C'est politiquement incorrect que de le dire, mais il faut bien qu'il y ait des cons qui s'y collent. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait une qui soit utile aux agriculteurs. Donc sortir du cahier des charges, sortir de la sanction pour être dans la proposition, et l'agroécologie nous guide véritablement sur cette voie-là. C'est une proposition autour de la fertilité. La proposition, c'est notre choix. D'un côté, je crée... Ça marche plus, tant pis. Si d'un côté, je crée des déserts et de l'autre côté... Je crée des zones fertiles, productives, et cette productivité nous intéresse beaucoup.
on protège, on produit beaucoup. Surtout pas l'extensif, il ne va pas se passer grand-chose, ce n'est pas grave. Les systèmes agricoles doivent être hyper productifs, copiés sur le modèle de la forêt qui est juste à côté. Ça s'appelle des agroforêts, de l'agroforesterie ou des forêts domestiques, peu importe. La productivité est quelque chose d'absolument nécessaire. C'est la vie du sol qui en dépend, c'est cet amortisseur climatique dont on a aujourd'hui cruellement besoin. Donc ici, mais on crée soit des déserts, soit des milieux vivants, fertiles, rentables, qui créent des richesses et de l'emploi. J'aime une phrase de Gérard Dusserre, que vous connaissez probablement, un paysan qui a fait des travaux absolument remarquables sur les plantes bioindicatrices. Chacune des plantes qui poussent autour de nous a quelque chose à nous dire. Depuis dimanche matin, j'ai vu partout des follavoines grandes comme ça. Waouh ! Je me dis, on a une expression des sols ici qui est intéressante puisqu'on fait pousser des plantes de 2 mètres sans les semer. Il y a un fil conducteur intéressant. Quand on n'arrive pas à semer un truc qui végète, et puis à côté, ça fait 2 mètres. Ah ! Ces soif, ces sols ont soif de carbone, ces sols ont soif de verticalité et ont besoin de leur ration absolue quotidienne. La graminée qui est la follavoine nous dit exactement ceci. La phrase de Gérard Dusserre nous dit que l'érosion et les inondations sont les prémices de la désertification. Donc on va être à la fois sec et on va devoir subir des épisodes dans les chocs climatiques violents que vous avez déjà beaucoup vécu. Et ça va s'accentuer. Beaucoup de pluie, beaucoup de sec, beaucoup de vent et beaucoup de chaud. Dimanche matin, il faisait 33 degrés à 9h30. Difficile pour l'herbe non microclimatisée par les arbres que de résister à ce choc. Alors là, je me promène un petit peu, puisque je vous ai promis une belle promenade. Enfin, belle, je ne sais pas, vous me direz si elle est belle ou pas, la balade. Hein ? Ici, j'ai 1 million de personnes qui vivent sur 1 million d'hectares, c'est l'Arganeraie. Si vous voulez un système agroforestier rentable, pertinent, génial, jubilatoire, qui rend les hommes et surtout les femmes belles et heureuses, même si elles n'en ont pas toujours besoin, c'est l'huile d'argan. Avec de l'élevage, avec des céréales, avec du miel. Donc des systèmes qui sont diversifiés, fondamentalement. Je zoome un petit peu. Des paysages qui sont beaux, qui sont riches, qui sont productifs. Hein, 1 million de personnes sur 1 million d'hectares qui vivent et qui vivent bien. Et je zoome encore et toujours. Et j'ai, sous l'arbre, plus d'herbe que là où j'ai pas d'arbre. De l'importance de la gestion, de la finesse, des ajustements de ces systèmes. J'ai, bizarrement, plus d'herbe sous l'arbre que là où j'ai pas d'arbre. Donc je fais tomber quelques idées reçues comme ça. Mais les paysans, ils ont mis ça au point sur des siècles. Hein. Ils y ont bossé. Certains sont même sédentarisés. Je suis encore au Maroc. Je vais revenir par ici, bien évidemment. Je suis encore au Maroc parce que ici, j'ai du chêne liège, qui est une des plantes les plus importantes, n'est-ce pas ? Il suffit d'aimer le vin pour s'en rendre compte, mais oui. Mais j'ai du liège, j'ai de l'animal, j'ai de l'herbe. J'ai des glands qui sont comestibles, que les moutons mangent en partie, mais pas que. Mais j'ai surtout ici les sources de Rabat, puisque c'est ici que le prélèvement d'eau est fait. Si j'enlève les arbres, 1 an après, j'ai un désert. Si j'enlève les arbres, 1 an après, j'ai un tas de sable. Parce que les arbres produisent de l'eau qui n'a jamais coulé sur Terre, à raison d'un litre par kilo de bois. Vous voyez, là, je suis par ici. Ça, c'est le système agroforestier de Jean-François, qu'on a eu la chance, l'honneur et le privilège, n'est-ce pas, de visiter hier soir. Et qu'on verra dans le détail hein, de son milieu, de sa dose, de sa gestion, de son ouverture. Après, c'est un petit peu technique. Mais c'est intéressant, puisqu'ici, entre herbe et arbre, je fais la même quantité de photosynthèse que dans le maquis.
C'est-à-dire, c'est ce dosage-là qui m'intéresse. J'ai oublié de dire, pardon, qu'ici, les paysans gèrent la juste quantité de lumière pour qu'il y ait de l'herbe. Les paysans gèrent la juste quantité de lumière en taillant les arbres pour qu'il y ait de l'herbe. Dans ces systèmes agroforestiers, je suis toujours en train de tailler un arbre. Je suis toujours en train de l'organiser, de le gérer. Ça fait des milieux riches, très productifs, mais avec une gestion très fine. Ici, vous voyez, là je suis dans les Pyrénées. Mais peu importe, ici les paysans ils continuent à entretenir ces arbres têtards, ces trognes de frêne pour le coup, dont vous connaissez la valeur fourragère. J'en ai vu partout du frêne ici, c'est formidable. On n'ira pas jusqu'en haut, c'est pas le sujet, vous l'avez bien dit. On est où, en bas haut? On mettra chacune des plantes adaptées. On a même trouvé un bel érable de Montpellier. On a vu des cormiers, on a vu des mûriers au bord de la route qu'on a photographiés, que j'ai mis là. Mais ce que je veux montrer, que ici, sur 50 mètres de long, avec ces trognes, ces arbres têtards qui se touchent tous, ici, je produis 2 hectares équivalents fourrage. C'est-à-dire, si je pose les feuilles les unes à côté des autres, j'ai 2 hectares qui se remplissent juste sur 50 mètres de long et quelques arbres. Par ici, J'aime rappeler que cette image-là, elle est d'une banalité absolue. En réalité, elle est très subtile. Ça aussi, c'est une construction d'agriculteurs. Pour le coup, Corse, n'est-ce pas ? C'est une construction qui m'intéresse parce qu'ici, vous avez des arbres dilués et dispersés dans le paysage. Et s'il doit y avoir 2 définitions de l'agroforesterie, c'est bien des tailles, des arbres taillés et des arbres dispersés, dilués, et puis avec des milieux à la fois très ouverts et très fermés. Donc une amplitude, une grande amplitude, en fonction des saisons, en fonction de la charge, en fonction des usages. Et ça fait de belles cartes postales, mais ça fait aussi des systèmes qui sont très productifs. La châtaigneraie et le cochon. Ici, je repars de l'autre côté et je suis dans la DSA. Vous connaissez peut-être la DSA, certains d'entre vous, en Extrémadure. Hein, c'est 2 400 000 hectares de chênes verts, de chênes lièges et de frênes dans les zones un peu plus humectées, un peu plus propices à la pousse du frêne, avec des produits à haute valeur ajoutée, etc., où les animaux mangent des glands et de l'herbe. En guise d'autonomie, ici j'ai un plaidoyer qui est extrêmement intéressant. Je suis toujours dans la DSA, bien évidemment en fin de printemps et en été c'est beaucoup plus sec, hein. Mais ici on parle de symbiose, d'interaction et de coopération entre les plantes. Ça veut dire que dans ces systèmes-là, les zones les plus sèches, sont hydratées par les zones plus humides, parce que l'eau circule dans les champs mycorhiziens. Parce que ça, cette image résume toute l'agroécologie. Un sol couvert en permanence avec des arbres. Et les échanges se font de façon très subtile. Ça veut dire qu'on va avoir de l'eau qui va circuler sur des centaines de mètres. Et on va rendre les parcelles homogènes et beaucoup plus résilientes et beaucoup plus résistantes. Mais là aussi, bien évidemment, chacune des parcelles est calculée. Le paysan sait intuitivement combien il va laisser pousser d'arbres et quand il va les tailler, pour que ça ne revienne pas ni une forêt, ni un désert. C'est l'ajustement. Je serais tenté de dire qu'il n'y a pas de règles, il n'y a surtout pas de recettes. Il y a un itinéraire agronomique, puisque moi j'ai l'habitude de mettre l'arbre dans une boucle agronomique, puisque le mot a été lâché. L'arbre, c'est de l'agronomie avant tout. Après, ça fait du bois, ça fait des fruits, ça fait tout un tas de choses, mais c'est avant tout de l'agronomie. De renseigner un sol de la présence de ces arbres, c'est de l'agronomie. Et la règle nous intéresse parce qu'on voit que ces règles agroforestières, elles sont strictement les mêmes partout dans le monde. Un milieu humide va être drainé par les arbres, un milieu sec va être hydraté par les arbres. À partir du moment où on va trouver cette colonne vertébrale du nombre, de la densité, de la modalité, de la gestion de ces arbres-là. Les produits, les voici, les voilà. Ils ne sont pas nouveaux. Il paraît même que dans le Cantal, on taille les arbres
pour faire du fourrage. Ici aussi, et vous connaissez la formule, on démarre la tronçonneuse et le troupeau arrive, évidemment. Et ces gestes séculaires, ben, il faut parfois les remettre en perspective, parce que si le fourrage des arbres représente que 10% de la masse, c'est 10% à un moment stratégique, avec des animaux dans des paysages de bien-être. Je crois que le bien-être animal, ça commence par le fait d'être à l'ombre et pas à subir les chocs, les intempéries, hein, le chaud, le froid, l'énergie qu'il faut pour un animal à se refroidir ou à se réchauffer, etc. etc. Donc vous voyez les productions, tiens, ça c'est chez Pierre Casanova, où on a restauré de vieux châtaigniers. Hein. Dans ce geste, c'est ouvrir quand c'est fermé, fermer quand c'est un peu trop ouvert, bien évidemment tailler, gérer. Et puis j'aime beaucoup cette carte où on voit bien que ces paysages agroforestiers sont les plus riches en termes de biodiversité. Arrêtons de croire qu'il faut mettre de la biodiversité comme un prétexte et arrêtons de croire que ça va nous aider à sauver la planète. Faisons une agriculture agroécologique et la biodiversité sera au rendez-vous. Faisons une agriculture du carbone qui capte l'énergie solaire. Le soleil n'a rien à faire sur le sol, jamais, jamais. Hein. L'art d'apprivoiser le soleil, c'est de cultiver la pluie. Le cycle du carbone détermine la quantité de biodiversité, détermine la quantité d'eau, détermine la qualité du paysage et détermine la productivité de ces écosystèmes. La quantité de biodiversité est indexée sur la quantité de carbone. La quantité d'eau aussi, etc. Intéressant de voir qu'on peut boucler la boucle avec un système unitaire, le meilleur indicateur de résultat et non pas un objectif de moyens. Dans toutes les chartes, je vais encore être pas politiquement correct, mais comme on est en direct sur YouTube, tant mieux, comme ça au moins je l'aurais dit. C'est pas très grave ce que je vais dire. Je vais juste dire que dans toutes les chartes, dans toutes les labels, dans toutes les démarches, il y en a 64, il n'y a pas une once d'agronomie. Et ça, c'est ennuyeux. C'est ennuyeux parce que c'est le revenu du paysan qui en dépend. Hein? Cette autonomie, elle vient de là. Elle vient de ces systèmes, de la photosynthèse. Et la biodiversité n'est plus un prétexte, eh bien, le moteur de la productivité de nos systèmes agricoles. Donc, arrêtons de croire qu'il faut en mettre pour faire plaisir à quelqu'un, qui plus est aux écolos. Il faut gérer nos écosystèmes sur une base de plantes et de photosynthèse et tout ira bien. La restauration de ces arbres têtards qui étaient omniprésents ici aussi, puisqu'ils sont partout les mêmes de par le monde. Les paysans ont créé des arbres têtards partout. Au départ, la foudre, la tempête, le castor, Hervé Covès nous dit le mammouth a créé les arbres têtards à son bénéfice pour en récupérer les fruits. En tout état de cause, ces arbres-là produisent du bois perpétuellement, de plus en plus, en conditions extrêmement arides, sans qu'on les coupe jamais au pied. Créer des nouveaux, bien évidemment, ça sera notre boulot dans cette réouverture et cette gestion du milieu. Ici, au bord de la route, un mûrier blanc, comme ça, posé, le mûrier du ver à soie, un fourrage incroyable, d'une richesse absolue. Ici, vous avez le réservoir génétique de vos futurs parcs agroforestiers, puisque le mûrier, ça se bouture et ça se bouture bien. Et puis la ronce, j'y reviens rapidement, puisque la ronce est le berceau du chêne. Hein, au regard de ce qui a été dit sur la ronce et de ses limites, pourquoi elle s'installe, mais laisser des ronciers de temps en temps, c'est la base. Laisser des ronciers, des aubépines et des pruneliers, c'est la base du renouvellement, de la régénération de votre système agroforestier pour qu'il y ait plusieurs classes d'âge, parce que dans la ronce, sort un chêne, sort un frêne, sort un olivier, peu importe. Hein. Donc voyons ponctuellement la ronce comme le berceau de jeunes arbres qui vous donneront après tous les produits dont vous avez besoin. Alors Louis voulait que je le mette en photo sur le diaporama. C'est le problème des mecs qui ont des têtes de gendre idéal, je sais même plus. Enfin, les conneries, je vais les laisser pour plus tard. En se promenant, on a vu une plante qui était omniprésente, qui est un petit peu trop disparue, qui revient, qui s'appelle la vigne. Et on fait le pari que
ces vignes ici qui sont en train d'envahir les peupliers, ici dans des milieux arides, secs, l'olivier, la vigne, connectée à l'arbre, la vigne est née avec les arbres dans la ripisylve, et la vigne connectée à l'arbre, vous le savez, n'est jamais malade, et produit beaucoup, beaucoup. Et la vigne est probablement un fourrage d'appoint extrêmement intéressant, parmi d'autres. Parce que quand on voit ici cette biomasse qui monte à 15 ou 20 mètres de haut, on se dit qu'il y a un potentiel énormissime. C'est un sujet qu'on regarde déjà sur le continent, c'est un sujet qu'il faut probablement mettre en perspective, parce qu'avec 8 pieds de vigne, on peut faire une biomasse invraisemblable, éventuellement microclimatiser des parcelles. Regardez ici, une vigne qui a dépassé la haie. Mais si vous mettez, et c'est le cas, des animaux contre la haie, la clôture, elle est naturelle, et la nourriture, elle est tout aussi naturelle. Et c'est là, elle coûte pas cher, évidemment. Dans la restauration, on a trouvé aussi, pas loin d'ici, des peupliers noirs. Des peupliers noirs et un têtard avec un troupeau de moutons. Là aussi, ces arbres peuvent être repris, réinstaurés, réitérés et remis en production. Ça coûte un peu cher, mais ça n'a pas de prix parce que ces arbres deviennent immortels. Les arbres têtards ne meurent jamais quand ils sont taillés régulièrement. Donc il y a le coût de la remise en production, de l'entretien, etc. C'est peut-être ça qu'il faut regarder, voir s'il y a des aides à un moment donné, travail de groupe, etc. Mais remis en production, ils sont immortels. Et là aussi, ce peuplier, dans cette vallée, à ce moment-là, mais on le bouture. Vous bouturez dans une zone qui est correctement humectée du peuplier de 3 mètres, mais vous avez des arbres qui font déjà 3 mètres. Et vous avez du fourrage, et vous avez un microclimat, et vous avez tous les biens et tous les services, le mûrier, sur lequel on fait des mesures, des essais, etc., etc. Ce fameux mûrier blanc. Les mini-trognes, voilà, aujourd'hui, on est arrivé aux mini-trognes, on a inventé un truc qu'on n'a pas inventé, parce qu'on l'a aussi trouvé, hein, où la haie va être pâturée directement par l'animal. Voilà ce que ça donne dans les représentations que l'on travaille avec Mathieu. Quand c'est possible, ça ne le sera pas toujours. Mais ce qui est important, c'est les pièces du puzzle. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais des zones dans lesquelles les animaux sont bien équilibrés, homogènes, et pour lesquelles on rajoute des strates. Et plus on rajoute de strates, mieux ça marche. Ici, de châtaigniers, juste pour dire que ces châtaigniers salutaires pour l'élevage, chez un ancien président de chambre d'agriculture, aujourd'hui président d'un conseil départemental, on gagne autant d'argent avec la châtaigne qu'avec les animaux. Hein ? Donc c'est pas juste un sujet qu'on regarde pour voir, on gagne autant d'argent en diversifiant avec des châtaigniers qu'avec les animaux. Donc ça veut dire que ça crée aussi de l'emploi et ça stocke du carbone et la société nous attend sur le stockage de carbone. Et nous avons une réponse claire à donner, nous stockons X tonnes par hectare et par an dans telles conditions et ça a telle valeur. Et en stockant X tonnes de carbone par hectare et par an, on évite le feu, on évite la désertification des campagnes. Et en stockant du carbone, et cette rémunération carbone nous permet d'ouvrir le milieu, de le gérer, s'équiper correctement pour que ce travail de réouverture, de gestion des arbres, hein, qui est monter dans un arbre avec une tronçonneuse pour que ceux qui l'ont fait et ceux qui le font encore, c'est pas toujours simple, c'est souvent dangereux, pour que cette compensation carbone soit au service de la productivité. Je vais m'arrêter 2 minutes sur cette image. Cette image, elle est toujours au Maroc. C'est du frêne dimorphe. Et ici, sur un arbre au centre, on a plusieurs hectares de feuilles. Vous voyez la densité de ces arbres. S'ils n'avaient pas été taillés par les paysans, il y a longtemps qu'ils seraient morts. Il y a longtemps qu'ils seraient tombés par le vent ou par les chocs climatiques. Cet arbre têtard rabaissé, réitéré, renouvelé en permanence a permis à ces paysans de se sédentariser. Il est bien évident que le fourrage est rare. Mais ici, dans cette condition-là, on multiplie par 3 la quantité de fourrage ramené à l'hectare.
gros boulot, ces arbres sont des frênes soudées. C'est-à-dire qu'un arbre, en réalité, c'est 5 ou 6 arbres. Vous regarderez, si ça vous intéresse, les travaux de Geneviève Michon, qui sont bien présents chez Vers de Terre Productions notamment. Ces arbres sont soudés les uns aux autres et donc ont une résistance au choc climatique incroyable. Pour moi, il y a fort longtemps, mais c'était une révélation et un choc culturel de voir que les paysans avaient fait des gestes, somme toute, parfaitement incroyables. Les voici, les voilà, ces paysans en train de tailler l'arbre pour nourrir le troupeau, tout simplement, hein, de prélever le bon brin au bon moment, dans les bonnes conditions. On a parlé de la ration du sol, de la ration de l'animal, mais voilà, la ration complémentaire, riche, on parle de la feuille, mais on va voir de l'écorce, on va voir que du bourgeon, hein, et du fin rameau, et vous le voyez bien quand vous le faites, que l'animal va évidemment tout manger. Cette image nous rappelle ô combien les arbres sont incroyables. Hein. Face à une aridité absolue, face à un sol inexistant, le frêne que vous voyez au premier plan et le frêne que vous voyez au second plan sont des arbres qui font 2 ou 3 mètres de diamètre, avec une pluviométrie rare, hein, des fréquences très éparses. Et ici, ces arbres-là, face à l'aridité, luttent contre le désert en faisant des paysages vivants, prospères, au service de l'élevage, de la régénération, de la réitération, de la protection des arbres. C'est un gros, gros travail, la protection, bien évidemment, la mise en défense pour les premières années. Parfois des cultures, hein, ici des céréales sous l'olivier. Parce qu'on arrive à connecter une fois que les sols sont riches, les sols sont abondés, agradés, mais on peut tout connecter et faire vivre des plantes ensemble. Un paysan parmi d'autres qui lui a créé une clôture avec les arbres, a créé une clôture vivante, permanente, essentielle, riche. Puisque dans cette mini-trogne, on va y trouver une chouette, on va y trouver des chauves-souris, on va y trouver beaucoup, beaucoup de monde et beaucoup de vie. Tout ce qu'on cherche à protéger, finalement, c'est là, sous nos pieds. Mais cette clôture, c'est le fourrage. Cette clôture, c'est la protection climatique. Cette clôture, c'est aussi la litière pour les animaux qui rentrent, puisque là, on est dans les Pyrénées. C'est aussi du bois broyé. Ça pourrait être du bois de chauffage, du bois énergie, peu importe. Ici, c'est du bois broyé pour la litière. Donc, une clôture, 5 fonctions, au-delà de l'esthétique dont on peut discuter. Du sursemis en prairie pour les dynamiser, pour les enrichir, pour ici renseigner des champs dans lesquels poussent beaucoup de folle avoine. Ben, du coup, ils poussent de la folle avoine, on va semer des graminées et notamment des blés population grands, géants, pour donner cette ration de carbone au sol et éventuellement récupérer le blé pour restituer la paille au sol pour les relancer. Quelques machines, parce que c'est important, hein. Elles existent, elles ne sont pas toujours présentes sur le territoire, mais elles ont le mérite d'exister, elles sont utiles, permettent de gagner du temps et de l'économie. J'ouvre, je récupère de la biomasse, je récupère de l'herbe, de préciser dans ces indicateurs de résultats, au-delà du bilan humique et du bilan carbone, dans ces indicateurs de résultats, combien ça me coûte et combien ça me rapporte par an dans une projection à 10 ans. Et puis ici, la machine qui encile les branches. La machine qui encile les branches et cette biomasse, on la récupère ou on la laisse sur le sol. Quoi de mieux que de redonner du carbone, de la lignine à son sol? Cet arbre têtard, ben, il se résume comme ça. Il s'appelle le frêne, il s'appelle le mûrier, il s'appelle l'olivier, il s'appelle l'érable, peu importe. Chacun, ils sont tous différents, ils sont tous intéressants. Juste préciser qu'ils produisent de plus en plus de bois. C'est-à-dire qu'il y a une fonction exponentielle dans la production de bois, sans qu'on le coupe jamais au pied. Et puis quand il est un peu trop présent, quand on manque un peu d'herbe, ben on recoupe, etc. etc. Et c'est cette gestion fine qui fait ces systèmes agroforestiers d'une pertinence redoutable face, j'insiste, à ces chocs climatiques qui sont aujourd'hui totalement avérés. Ici, je taille
je taille, et puis après, est-ce que je taille à 2 ans, à 4 ans ou à 8 ans, en fonction des besoins. Si je dois faire du bois de chauffage, un peu de fourrage, du bois énergie, enfin peu importe, du bois litière, hein, peu importe. C'est modulable, j'en ai beaucoup, je serais tenté de dire, laissez-en beaucoup les arbres, vous êtes toujours à temps d'en enlever, puisque le soleil ne doit pas toucher le sol, hein. Laissez-en beaucoup, taillez-les souvent et gérez finement vos écosystèmes. Vous voyez, on a trouvé ça, ces fameuses mini-trognes. Ici, vous avez 5 arbres au mètre carré. Dans nos petites têtes, on s'interdisait de le faire, parce qu'il paraît que ça ne marche pas, ils vont se faire concurrence. Ben ici, vous avez 5 arbres au mètre carré, vous faites une clôture définitive, et puis regardez ce que ça donne 3 mois après. Regardez la quantité de fourrage dont une partie sera récoltée directement par les animaux. Clôture vivante, permanente, riche, bourrée de biodiversité, bourrée de fleurs, bourrée de pollinisateurs. La notion d'enveloppe, qui nous plaît beaucoup en agroforesterie, hein, de connecter, de faire circuler la ripisylve, donc la formation de bords de cours d'eau, la haie, et puis les arbres dispersés, dilués dans le territoire. Les voilà, les pièces, hein, les pièces de ce puzzle agroforestier, elles sont aussi simples que ça, elles sont toutes là. Elles sont toutes là. Mes arbres têtards sont hauts, sont bas, j'en ai beaucoup, très serrés. Peu importe, le cormier, bois d'œuvre, hein. Et puis l'arbre fruitier, l'amandier, l'olivier, parfois tous les autres, quand c'est possible, en fonction de la station dans laquelle on va les mettre. Voilà. Et tout ça pour dire que ça, c'est l'empreinte agroforestière. Ce qu'on a appelé l'empreinte agroforestière, on réfléchit. On ne veut pas créer de label, on ne veut pas créer de charte, on ne veut pas de cahier des charges, il y en a déjà beaucoup, mais l'empreinte agroforestière ou l'empreinte agroécologique, en résumé de résumé de résumé, avec l'empreinte agroforestière, quand je mange, je ne sais pas, au hasard, mais vraiment au hasard, hein, quand je mange du veau issu de l'agroforesterie, j'ai stocké du carbone, stocké de l'eau, produit de la biodiversité, produit des microclimats, créé des paysages vivants, créé de l'emploi, créé de l'optimisme et de l'enthousiasme. Dans notre réseau des 17 000 fermes que nous caractérisons aujourd'hui, on voit beaucoup d'optimisme, on voit beaucoup de coopération. Donc, de l'eau, du sol, du climat, de la biodiversité, des paysages, de la productivité, de l'emploi. En résumé de résumé, mangez du veau agroforestier, vous sauverez la planète. Voilà, c'est aussi simple que ça. Merci pour votre attention.